Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tullet pour commenter cette rencontre. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. On va voir ce que nous réserve ce match. On joue sur l'aile, il est servi. Il rejoue derrière lui. Une nouvelle occasion. Oh, la tête. Oh, c'est au fond. Oh, il n'a pas traîné. Quelle efficacité. Un centre parfait. Il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça vous donne un but. On ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est joué long, attention. Joli passe lobé. Long ballon dans le sens du jeu. Ballon intercepté, ça soulage la défense. La faute. Oui, bonne intervention de la défense. Nyang, dans le dos de la défense. La passe dans l'axe. C'est dégagé. C'est bien fait, ça. Oh, il espérait ce ballon. Mais le ballon a franchi la ligne. Interception sur la touche, bonne anticipation. C'est joué long. Il y aura donc touche. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Quinze minutes se sont écoulées. Un bon centre dans la surface. Il tente de la jouer dans l'espace. Belle passe lobée. Attention! Et c'est un but! C'est tout simplement incroyable, magic! Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon.
Ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Mais il va être sanctionné. Le ballon sort en touche. La défense tient bon. Et ça se joue à rien. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. Ça va très vite sur le côté gauche. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Oh, la tête! Pas de réussite! Centre lointain. C'est bien écarté. Le jeu repart vers la droite. Il est à distance de tir. Young. Et ils alourdissent la marque. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Ça, c'est du boulot. Quand il lui remet le ballon, il y a presque but déjà. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Et ils essaient de repartir de derrière. Il centre directement pour trouver la faille dans la défense. La passe interceptée. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le ballon traîne toujours, attention! Le ballon a franchi la ligne. Centre dans la boîte. Non, là, ça ne passera pas, avantage défense. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il reçoit le ballon. Ce ballon dans la boîte, ça peut faire mal! Oh, le but! Ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité! Vous en pensez quoi de ce but d'Aren? Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs, très finement joué. Désormais, ils ont l'air intouchables. Allez, plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Retour à l'envoyeur. La longue ouverture sur l'aile, il écarte. Ah non, c'était compliqué.
Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il joue dans l'espace. Ça peut être dangereux. Oh, ça passe à gauche du poteau. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il récupère directement sur le dégagement. Belle passe lobée sur l'aile. Voilà qui met un terme à cette première période. Oh, c'est un score incroyable et c'est peut-être pas fini. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Il passe sur l'aile droite. Il est lancé vers le poteau de corner. Il glisse le ballon en profondeur. Centre travaillé dans la surface. Ça sent la frappe. Il file au but. La tête. Un grand dégagement le plus loin possible. Le ballon sort en touche. Il réussit à centrer. La passe est précise. Oh, but! Voilà! C'est une véritable correction! Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch! Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Et c'est mérité, il a été insaisissable. Insaisissable! C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Il joue en profondeur. C'est une remise en jeu. C'est bien défendu, il faut dire. Passe en retrait vers son défenseur. Quelle passe! Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Au tour du gardien de jouer. Le long dégagement du gardien. La défense s'en sort, là. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Bon ballon dans la surface de réparation. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir.
choisit la profondeur. Oh, la grosse occasion! C'est à gauche! Je me disais, Grégoire, il défend souvent en nombre dans l'axe, non? Et vous vous disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Ça joue à gauche. Quelle solidité, bien joué. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Le centre dans la surface. Ouf, ce ballon qui sort. Oui, il a dû avoir une absence. Enfin, je connais une équipe qui ne s'en plaindra pas. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Ils s'en sortent. L'arbitre a sifflé, faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Personne à l'arrivée. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il cherche un coéquipier. Le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. C'est joué dans la surface. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Ça joue sur la gauche. Repiqué dans l'axe peut-être. Bonne course côté droit. Dans le dos de la défense. C'est bien donné. Oh, le tacle superbe. Un centre encore. La tête, elle est magnifique. Ouais, la bonne tête, ça méritait mieux. Tente de la jouer dans l'espace. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Oh, quel geste! Long centre. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger.
Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite.